Je pense que les Français ont raison. Je pense que personne jamais ne s'est dit un jour j'ai choisi pour mes vieux jours c'est l'EHPAD et que le souhait de chacun de rester chez soi, de vieillir chez soi dans son cadre habituel, c'est quelque chose d'absolument décisif. Simplement pour cela, il faut que la société française s'organise tout entière. Ça n'est pas simplement une intention qu'un beau jour on pourrait mettre en œuvre sans une réelle volonté politique et sans un choix concerté. Alors pour dynamiser ce secteur, Nicolas Sarkozy a d'emblée, dès le début de la campagne des élections primaires de la droite républicaine et du centre, pris une option extrêmement forte, celle de la suppression totale des charges sur les emplois familiaux. C'est une mesure marqueur, c'est une mesure emblématique qui signale la volonté politique très forte qui est la sienne de faire que la nation s'organise pour soutenir l'emploi familial et pour faire en sorte que nos compatriotes puissent en bénéficier partout sur le territoire. Évidemment, cela sera accompagné d'un plan considérable sur le maintien en autonomie de nos compatriotes, quelle que soit leur situation de dépendance, de perte d'autonomie ou tout simplement de pathologie chronique. C'est vrai aussi pour l'accompagnement de la petite enfance, pour permettre à nos compatriotes de garder une activité professionnelle et une vie familiale digne. Cela nécessite également des mesures budgétaires, une véritable orientation économique de notre société qui doit faire des choix. Moi, je considère aujourd'hui que les acteurs sont porteurs de solutions extrêmement innovantes. Ces solutions sont vertueuses pour les finances publiques, car aujourd'hui, nous faisons supporter à des institutions qui sont parfois extrêmement coûteuses, je pense en particulier à l'hôpital, et au poids considérable des hospitalisations indues qui obèrent les finances publiques, nous faisons porter, disais-je, aux institutions de responsabilités et des contraintes qui ne sont pas appropriées. Parfois, des solutions plus personnalisées, plus simples, plus efficientes apportent un meilleur confort d'usage, de meilleures capacités de prévention et surtout une réponse de qualité à nos compatriotes. Je crois qu'il faut refaire de la politique avec ces sujets. Pas de la politique politicienne, une politique qui dise clairement à l'ensemble de nos compatriotes que les orientations de notre pays vont vers une qualité de vie ensemble et vers la prévention de ces grandes exclusions que sont au fond les dépendances lourdes. Je crois que trop souvent, on a fait de la politique du logement une politique purement infrastructurelle, où les enjeux étaient des enjeux de construction et d'équipement. Aujourd'hui, il faut se préparer à aborder la politique du logement sous un angle fonctionnel. Le logement, c'est une fonctionnalité. Il faut donc s'orienter vers des politiques d'aménagement et pas simplement d'infrastructure en matière de logement. Prenons un exemple. Comment imaginer prévoir une hospitalisation à domicile dans un appartement qui serait situé sous les combles, dans un cinquième étage sans ascenseur et dans des conditions de salubrité ou des conditions sanitaires insuffisantes? Ça n'est pas possible. Pour cela, il faut amener la politique du logement à reconsidérer ses orientations, à reconsidérer des choix vers ses fonctionnalités plutôt que vers ses seuls équipements. Alors à partir de là, tout est possible. L'EHPAD, la résidence-service, naturellement, le logement de la personne, mais à la condition de prévoir des possibles allers-retours, de faire que les solutions ne soient pas exclusivement fléchées vers un besoin. Un EHPAD peut devenir un EHPAD hors les murs, un EHPAD peut devenir une plateforme ressource qui, sur un territoire rural, par exemple, apporte des réponses à l'ensemble d'une population et pas simplement sur la perte d'autonomie ou sur la très grande dépendance liée à l'âge. Vous le voyez, il s'agit de sortir du cadre habituel de la pensée et d'aller vers des gouvernances qui permettent, au fond, de construire une politique plus souple et plus proche des besoins de nos compatriotes.